C'est toute ma vie le Paris Saint-Germain. Oui, on déplace Kenny. Quand le contrat a été posé sur la table, c'était vraiment la fête. C'est une étape que j'ai franchie. J'ai travaillé et j'ai toujours réussi à faire ma place. Le prochain objectif que j'aimerais réussir, c'est intégrer le groupe professionnel. Je suis prêt à tout donner pour jouer en Ligue 1. Bonjour Kenny. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va, et vous? T'allais me serrer la main? Ah, j'allais. Attention. J'allais, hein. Oui, ouais, c'est important. C'est interdit, hein. C'est important en ce moment. Longue séance aujourd'hui? 2 heures à peu près. Hein. 2 heures de finition, ça nous a fait du bien. Ouais? Ouais, après. Toi, tu t'es éclaté comme t'es un attaquant. Ouais, surtout. Bah oui, ça c'est mon domaine, on va dire. Je suis pas un joueur très talentueux, très technique. Je suis beaucoup dans le travail, c'est ça ma force. Pourquoi je suis devenu attaquant? C'est parce que j'aime marquer des buts. C'est un garçon qui est extraordinaire au niveau de la mentalité, qui a envie de se développer, de s'améliorer. Donc ça, c'est un bonheur de pouvoir l'entraîner. C'est à toi de ton pied gauche, Kenny. C'est un joueur qui est explosif, très dynamique, très endurant aussi, qui est capable de jouer à la fois sur les côtés comme dans l'axe. Dans la profondeur, les ballons, les gars. Là, c'est à 2 à l'air. Malgré mon physique pas très costaud, mais je suis un joueur qui a la mentale. Si je tombe, je me relève tout de suite, donc du coup, ça se voit pas beaucoup. Il y a la qualité des déplacements qu'il faut continuer à faire avancer. Après, il y a son pied gauche, il a un pied gauche qui est un peu moins adroit que le pied droit. Mais après, c'est la finition aussi devant le but, d'être un peu plus relâché. C'est ce qui manquait vraiment l'année dernière. Les entraîneurs, on aime bien évidemment que ça soit du 100%, ce qui est très compliqué. Tu as même joué gardien, donc à Caen. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, être gardien et après un carton rouge. On n'avait pas de gardien à remplacer sur le banc. Dans la semaine, Kenny avait été effectivement dans les buts et on l'avait trouvé pas mal. J'ai fait un petit arrêt quand même, qui a fait un peu parler de moi aussi. Et du moment que j'ai aidé l'équipe, ça m'a fait plaisir. Vous avez gagné ce match ou quoi? Ouais, on a gagné 3-2. On espère que Thomas Tuchel ne va pas t'appeler pour être gardien. Non, j'espère pas quand même pas ça. Ton équipe de cœur? Le Paris Saint-Germain. T'étais où le soir de la remontada? J'étais au centre de formation. On regardait le match tous ensemble et voilà. On a très mal vécu ça. On est parti dormir très énervé. Le lendemain, à l'entraînement aussi, on était très, très touchés. Ronaldo ou Messi? Plus Messi, bon, c'est un génie. Petit pont ou grand pont? Plus avec ma vitesse, j'utilise plus le grand pont. Benzema ou Giroud? Plutôt Benzema. Pourquoi? Je préfère son style de jeu. Le stade de tes rêves? Le Parc des Princes. L'ambiance, le cop parisien, c'est mon stade où j'aimerais effectuer mes premières minutes en Ligue 1. Ta célébration de but, c'est quoi? C'est ça. C'est mon petit frère, quand il joue à la play, il aime bien mettre sa main comme ça. Et moi, j'ai rajouté ça comme ça. Parce qu'un jour, il avait son œil qui était un peu griffé par là. Ton but préféré? Le but de Zlatan, la retournette avec la Suède. Très impressionnant. La coupe de cheveux au top? Celle de Pogba, quand même. Le tout début où il faisait sa crête avec les teintures sur le côté. Il a un style qui te plaît? Ouais, les Ndegen, j'aime bien. La pire coupe de cheveux? Xavi Simons? Non, j'aime bien sa coupe. Wesh, c'est là, wesh! Mais tu crois, on va dire quoi, là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis Kenny, en fait. Ça fait 7 ans que je suis là, donc du coup, je connais tout le monde. Kenny, c'est quoi au menu ce soir? Je suis plutôt un grand frère. J'aime bien aider les plus jeunes. Donc, toi et moi, il y en a un, nous, on a le permis. Ah, le permis! Le permis, frère! Ah, ouais! Me mettre en confiance. Aider les gens, c'est ma nature. Ok.
j'ai pris cette initiative de prendre un ostéopathe pour prendre soin de moi parce qu'il n'y a pas qu'un club qu'on doit travailler. Ok. Tu me sers bien les mains, s'il te plaît. Voilà. Ah, c'est parfait. Ça va ? Quand j'ai des petites douleurs ou je ressens des petits déséquilibres dans mon corps. Ça tire encore ? Ok, ça tire encore. Je le consulte, je l'appelle et il vient à mon domicile. T'as besoin un petit peu d'étirer, hein ? Ah, c'est normal. Là, j'avais des grosses douleurs au niveau du dos. Ça m'a fait du bien et voilà. On laisse poser ça 2-3 minutes ? D'accord. Combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone ? À peu près 7 heures. Hein. Tant que ça ? Ouais, j'aime bien mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a sur ton fond d'écran ? Moi et ma mère. Ma photo de signature professionnelle. Quelle est ton application préférée ? Le Snapchat. Le dernier site que tu as visité ? Aronicar. C'est quoi ? Un site pour le code. Tu passes quand le permis ? J'espère le passer pour le début décembre, la fin du confinement. Twitter ou Tinder ? Oh, Tinder. Non, Twitter. Pourquoi Tinder ? Non. Non, Tinder, c'est le site de rencontre, non ? C'est ça. Ouais, non. Pas de rencontre ? Non, pas de rencontre. Une chérie, déjà, peut-être ? Peut-être, je peux le dire. Combien de photos dans ton téléphone ? Plus de 1000, hein, je pense. J'aime bien garder les souvenirs de ma vie. Qui te suit sur les réseaux sociaux ? Plein de footballeurs, des basketteurs. T'as beaucoup de followers ? Ouais, un peu, quand même. Combien ? 22K. Pas mal. Ça va. Tu suis qui sur les réseaux sociaux ? Mes amis, mes coéquipiers, Thierry Henry, Kylian Mbappé. Claude Joubévu parce qu'il vient du même pays que moi, les Antilles. Quelle photo il y a dans ton téléphone que tu n'effaceras jamais ? Moi avec mes frères. C'est un symbole pour moi. Super ! Bien joué ! Le Paris Saint-Germain, l'exigence est très forte. Avec beaucoup d'internationaux, donc ça exprime déjà le niveau qui est demandé aux jeunes joueurs qui sortent du centre de formation ici. C'est parti à la première, voilà, oui, je touche, faut aller vite sur la première, oui. Qu'il y ait une équipe réserve ou pas d'équipe réserve, le but est le même, la formation est la même. Après, il y a peut-être un step qui a disparu, mais il y a toujours des joueurs qui sortent et qui sortiront encore demain. C'est un autre monde que le foot 19. Là, c'est les adultes, c'est un foot un peu plus rapide, plus costaud. C'est dommage de ne pas connaître ça et de connaître directement la Ligue 1. Mais bon, ben on va s'accrocher et apprendre en tous les cas. On sait que les pros, il y a beaucoup de blessés, il y a de la place. C'est vraiment le bon moment pour découvrir la Ligue 1. Avec l'entrée de Kenny Naguera. J'étais stressé, c'était beau. Pour des princes, même sans supporter, c'est dommage, mais vraiment, c'était super beau. J'avais l'impression, vraiment. À tout moment, il peut intégrer un banc de touche, une titularisation. On s'évertue aussi à les préparer pour ça. Et en tout cas, il a les cartes pour pouvoir intégrer le groupe professionnel. T'as l'impression que t'as le niveau aujourd'hui ? Avoir le niveau, je sais pas, mais j'ai la dalle. Mentalement, je suis prêt. Qualité en bas, qualité en bas, qualité en bas, qualité en bas, qualité en bas.